de moi a trouvé la paix dans une vie sainte. Aide-moi à garder ma paix dans une vie simple. Je sais bien au fond de mon cœur qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais l'attrait du monde est encore si puissant. Un homme qui travaille a bien le droit d'espérer récolter dans un avenir proche le fruit de son travail. Sa vie, il la fera belle, tout ça c'est du palpable. Même si c'est un connard, il en profitera. Je sais bien montrer, cher frère, que tout ce que je dis est bien vain. Je sais bien, tout comme toi, que cette vie je n'en veux pas. Je préfère encore l'inertie de ces marées stagnantes. Au moins là, je préserve mon âme. Alors aide-moi à persévérer, même si je ne sais pas si je suis sur le bon chemin, si je te sers à quelque chose, si ce que je fais pour toi a du sens et de la puissance dans ton plan pour sauver les âmes. Si tu me demandais après m'avoir compter ta vie, ce que tu dois faire pour la suite des événements, je te dirai tout de suite, surtout de ne pas t'inquiéter plus que ça. Je te dirai de rester tranquille et de persévérer. J'espère t'en être au bon endroit, au bon moment. Voilà tant d'années que je marche avec si peu de balises. Si seulement je pouvais plus encore sentir ta présence, au moins ce serait toujours ça de gagner. Sans doute que je suis bien ingrat et que j'oublie vite. Ma foi, je demeure un homme avec mes faiblesses. Mais aucun de mes frères ne me guide, je suis tout seul dans cette aventure. Si seulement je pouvais plus encore sentir ta présence. Je fais ce que je peux, mais peut-être que je me trompe. Que ce chemin qui est le mien n'est pas celui que tu veux. Pourtant je te demande souvent de me le faire savoir si je me trompe. Mais sans réponse claire, je continue. Alors aide-moi à trouver la paix dans une vie sainte, à y puiser mon sourire, ma force et mon espérance. Aide-moi à persévérer lorsque la lassitude montre le bout de son nez. Si seulement je pouvais plus encore sentir ta présence. Demander après m'avoir raconté ta vie, ce que tu dois faire pour la suite des événements. Je te dirai tout de suite, surtout de ne pas t'inquiéter plus que ça. Je te dirai de rester tranquille et de persévérer.